Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien aujourd'hui en ce samedi, c'est ça? Samedi, je ne sais plus combien, avril. C'est chaud de pas savoir quel jour on est. Donc, maman, viens. Si je mets du lait, tu viens? Elle viendra même pas en plus. Je ne sais plus, voilà. Ah si, elle arrive. Viens. Viens, mon chat. Viens. Viens faire câlin. Viens là, viens. Non, elle a pas envie d'être montrée à la caméra. Elle a pas envie de se montrer droit à l'image, tout ça. J'ai souvent le droit à ça aussi, parce que pareil... Il y a une personne qui me l'a dit en rigolant à ma crop, mais c'est aussi pour ça que je ne filme pas beaucoup dans mes crop. C'est dû au droit à l'image. Parce que là, on me l'a dit en rigolant, mais bon, comme on dit, toute rigolade a une part de vérité. Toute blague a une part de vérité ou un truc comme ça, enfin bref. Mais on me l'a déjà dit hein, que non, je veux pas être dans tes vlogs, je veux pas être dans tes vidéos. On me l'a déjà dit. Tout le monde ne réagit pas pareil. Viens, viens mon chat, viens. Oh. Viens, viens. Vous avez entendu le deuxième derrière. En fait, elle a mis la caméra, elle est repartie. Bah ouais, j'ai pas de doudouze de ma femme, alors je me fais. J'ai des doudouze de ma maîtresse. Ah mon chat. T'arrêtes de miauler. Et je t'ai déjà donné du lait tout à l'heure. En plus, t'en as eu toute la nuit, toi. T'as eu de la chance. C'est la seule qui dort à la maison. Voilà, enfin bref. Donc, samedi, quoi de prévu? Pas grand-chose. Je vais un petit peu bosser ce matin. Bon, je vais bosser sûrement même la matinée. Tais-toi. Ta bouche. Toi aussi, là-bas, ta bouche. Y'a rien, allez. Dégage. Oui, je t'ai appelé et après je te dégage. Donc je vais peut-être un petit peu bosser ce matin. Je vais cet après-midi, il y a le carnaval du village. Alors hashtag parents indignes hein. Non, je ne fais pas le carnaval personnellement, dû encore au droit à l'image hein, parce qu'en gros filmer, va falloir que je passe 20 ans à enfin bref, à enlever tous les visages des gens. Mais les enfants vont quand même le faire avec une amie du village. Donc elle vient les chercher cet après-midi. Moi je pense que je vais m'attaquer à ma table de salon. Voilà. Et je pense que aujourd'hui, je sais pas, de toute façon comme d'hab, hein, bah comme d'hab, comme hier, je vais voir au moment opportun, au moment venu. Ouais, opportun, ça voulait rien dire. Bah si, ça veut dire quelque chose, mais dans ce contexte de phrase, ne voulait rien dire. Voir déjà ce que je vais manger à midi. Et ouais, papa solo volume 2, en mode dépression. Ouais. On me le dit souvent dans mes commentaires, ouais, tiens, je tiens aussi à remettre une petite couche de merci à toutes les personnes qui, voilà, qui ont laissé un commentaire hier. Et donc, je disais quoi oui, souvent on me dit, tu seras perdu sans ta femme. Mais je l'avoue, hein, je suis pas contre, je suis perdu sans ma femme. Le pire, c'est hier, pourtant j'avais tout fait, mais je m'ennuyais. Je me suis ennuyé. Après que j'ai fini mon vlog, ah, je me suis ennuyé. Voilà quoi. Mais ma femme, c'est une Kiro. Ma femme, c'est une Warrior. Une Kiro, une Rocky. Rocky Balboa, tout ça. C'est un Rambo. Ma femme, elle est plus forte. Elle est très très forte. Allez. C'était le moment de nostalgie de Romain. Qu'est-ce que tu veux, toi? Viens faire un bisou. Viens. 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 Allez, viens. Voilà, quelques petites caresses et maintenant tu vas venir. Viens. Les chats, les chats, les chats, les chats, les chats.
Les chats sont nos amis. Enfin bref, je vous dis donc à plus tard. On se retrouve, il est midi moins 20. Voilà. Donc ma vidéo, ça fait quoi? Allez, 10 minutes qu'elle est en ligne. Donc là, je suis en train de faire à manger, donc ça va être plutôt simple. Bah, plutôt simple. Je suis en train de faire en fait une bolognaise, mais elle n'a pas l'air de vouloir être au top. Avec des. C'est même pas des steaks hachés, c'est des steaks de bizarre. Que normalement, faut faire la friture un peu comme les fricadelles, je crois, mais en steak. Donc là, je vais tester de faire une bolognaise avec. Donc là, enfin bref. Des pâtes. Et alors déjà on m'a dit et le régime? Point d'interrogation. Alors là, je vous avoue que j'avais bien commencé cette semaine, bah recommencer cette semaine parce que vous imaginez que même si j'ai pas mangé énorme, bah, quoique si le soir ils étaient lourds. Finalement, j'avais bien repris et là en gros vu que je suis tout seul, je me tape des crises de boulimie mais grave. Enfin bref, on va pas parler de bouffe. Et là, donc je viens, donc je suis en train de faire à manger et je pense que c'est la meilleure, mais la meilleure de mes abonnées. Non, il n'y a pas de concours, de trucs comme ça. Mais sérieusement, j'ai une abonnée. Voilà, je ne dirai pas son nom. C'est un amour d'abonnés. Je vais pas réussir à l'ouvrir. Je l'ouvre. Voilà. Donc Corinne n'est pas là pour la réceptionner, mais il y a un petit mot. Ma chère Corinne, Romain et les enfants, juste ma présence près de vous pour beaucoup de chaleur et de lumière, courage de tout mon cœur. Je ne dirai pas qui. Elle se reconnaîtra parce qu'elle regarde mes vlogs tous les jours. En tout cas, je te remercie réellement pour cette. Je sais pas, c'est quoi, c'est une iris. C'est une. Phalaenopsis blanc. Franchement, moi, les fleurs, j'y connais rien. Je te remercie. Je pense que Corinne te remercie aussi. Je vais lui envoyer en photo. Elle va me dire, t'es folle. Ça, je sais. Qu'elle va me sortir un truc comme ça. En tout cas, je te remercie. C'était pas obligé. Sérieusement, le truc, il est quasiment aussi grand que moi, le colis. Mais en tout cas, merci. Merci et encore merci. En fait, c'est dans ces moments-là qu'on dit un truc, bah, je sais pas, qu'on a de l'importance pour les gens quand même, que mes vlogs ont de l'importance pour les gens, c'est quand on reçoit de l'amour comme ça. On va dire de l'amour gratuit. Pour moi, je trouve que voilà, on reçoit de l'amour, voilà. Ben, en tout cas, je vous remercie. Voilà, je te remercie toi et je remercie toutes les autres qui sont voilà, qui ont pu laisser. Allez, j'arrête. Non, tu veux pas être sur la vidéo, non. Tu seras pas sur la vidéo. Allez, je vous dis donc à plus tard. Donc, on se retrouve dans mon atelier. Alors, je profite que mes enfants soient partis au carnaval pour fait un peu, et le pire c'est que alors je viens de faire déjà ma page de jeu, ma présentation pour ma page de journal art qui est juste ici, donc que je vais aller monter tout de suite après, comme ça vous, avec un peu de chance vous l'avez, donc nous sommes samedi pour moi, pour vous dimanche, donc normalement avec un peu de chance vous l'avez dimanche soir si tout va bien, si tout va bien, parce que vu que mon vlog déjà de ce matin d'hier a mis je sais pas combien de temps à venir, donc on croise les doigts. Voilà. Sinon, je viens de. En fait, je suis en train. Je prends de l'avance. Parce que la semaine dernière, j'ai eu ma crop en Auvergne. Et vous avez pu voir que j'étais assez stressé pour savoir si j'allais manquer de. Voilà. Enfin bref. J'ai montré comme quoi j'étais stressé. Et donc là, en fait, je suis déjà en train de préparer ma crop du mois de mai. Donc du 20 à 21 mai. Donc je serai
Je le répète parce que je viens de partager, j'ai partagé ce matin ma page sur Facebook, mais je sais très bien qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas sur Facebook ou qui ne sont peut-être pas abonnés à ma page Facebook. Donc c'est Créa de moi, Romain B/Créa de moi. Vous marquez Créa de moi sur Facebook et vous tombez normalement que sur moi. Voilà. Sinon, donc j'étais en train de dire que je serai, donc c'est de la Med, dans la ville de la Med. Ouais. C'est Club Med, mais sauf que c'est une ville. Enfin bref, je suis en train de regarder les chats parce que j'ai peur que la minette aille ranger. Prenne un chat, voilà. Non, c'est bon, elle l'a pas fait. Et qu'elle aille les cacher dans la maison. Ouais, voilà. Donc je serai à la Med, donc c'est une ville qui est entre Martigues et Marignane, si je me rappelle bien. Si je me rappelle bien. Donc je serai donc le 20, 21 mai, donc dans le 13. Donc n'hésitez pas si vous êtes dans le coin ou si... Je sais pas. Ah, j'ai vraiment peur qu'elle les emmène. Parce qu'après, pour les trouver dans la maison, c'est chiant. Donc n'hésitez pas. Donc je reviens. Je le dis propre. Je serai donc à la Med, juste à côté de Martigues, le 20 et 21 mai 2017. Donc n'hésitez pas si vous êtes de la région 83, 30, 34. Moi je viens du 11. Donc pour vous dire que c'est beaucoup plus bas. Donc n'hésitez pas à venir. Hein. Franchement, il y en a pour. J'ai entendu le week-end dernier, qu'il y avait des personnes qui avaient fait 2 heures de route pour venir à l'atelier avec Idil et moi. Donc. Voilà, 2 heures de route, c'est rien. C'est rien, 2 heures de route. Allez, 1 heure. Franchement, 1 heure, c'est rien, 1 heure. Pour passer un bon moment avec moi. Une bonne journée avec moi. Avec plein de pochoirs, plein de créa. Ouais, là, ça sera... Alors, je sais pas si je l'ai dit, ça sera une horloge. Une horloge pas comme celle-ci. Pas comme celle-ci. En fait, je vais parce qu'en fait, j'ai déjà fait l'horloge, j'ai déjà fait la présentation. J'ai déjà montré à la personne qui s'occupe. En fait, le samedi, ça sera 2 pages. Voilà. En fait, on va repartir comme ça. Le samedi, ça sera 2 pages. Je ne les ai pas encore faites. Je tiens à le préciser. Il y aura une chabi le matin, je crois, et une vintage l'après-midi ou vice versa. Voilà. Donc, je vais travailler. Donc, déjà, vous avez peut-être vu que non, vous avez pas vu en fait. Oui. Je suis en train de faire des petits mots en mode découpe, voilà. Donc je vais essayer de faire un truc bien. Donc voilà, en mode comme je vous ai dit vintage et une chabi. Et en fait le dimanche ça sera une toile horloge, donc une toile horloge. Ouais, parce que tout à l'heure j'ai dit une horloge, mais une toile horloge travaillée. Donc avec pas mal, parce que j'ai déjà fait, je vous l'ai dit, hein, mais je vous la montre pas. Et avec pas mal de travail de pochoir dessus, je crois qu'on utilise toutes les techniques de pochoir. Voilà, si ça peut vous donner envie de venir. Et je vais en plus faire plusieurs styles, plusieurs couleurs, totalement personnalisables. Ouais, je suis comme ça. Moi, en fait, je n'aime pas du tout quand il y a tout le monde qui se ressemble. Genre, par exemple, les filles pourront vous le dire, celles de mes crops, sérieusement, elles peuvent vous le dire. Genre, par exemple, celle-ci, je l'ai fait plusieurs fois et je ne pense pas qu'il y en ait une. En fait, tout est personnalisable. C'est ça, le truc. Je sais que, je sais pas si beaucoup le font, mais moi, je sais que je pars du principe qu'on n'est pas là pour copier, en fait, on est là vraiment pour apprendre quelque chose et donc donner son truc à la chose. Ouais, je suis en train de vous vendre mes crops. Vous avez vu comment je vous vends mes crops? Donc par exemple celle-ci, moi à l'origine je l'avais fait rose. En fait à l'origine on m'avait demandé rouge et noir. Rouge et noir. Donc j'ai réussi à la faire. Le rouge était passé rose. Après je l'ai refaite en rouge et noir. Et finalement, c'est ça le pire. Ouais, je sais, hein, vous, Marie-France, tu sais de qui je parle. Et en fait, finalement, donc on m'a demandé en rouge et noir. Et finalement, ce jour-là, personne a fait rouge et noir. Tout le monde a fait vert, violet, jaune. Donc, mais après, c'est pas un reproche. Hein. C'est juste pour vous dire que finalement, ne vous fiez pas au visuel, parce que automatiquement, le visuel
Vous avez en fait, vous avez un support visuel, voilà. Mais en gros, ça, là, par exemple, sur la crop de ce week-end, il y a une personne qui voulait qui voulait pas travailler en fait les coins. Donc, elle a travaillé au milieu. Donc, en fait, toutes les techniques sont pareilles, sauf que en fait, la disposition est totalement pareille. Et donc, pareil, comme je vous dis, hein, les couleurs, toutes les couleurs changent. Là, pour l'horloge, tous les chiffres changent. Bah, en fait, en gros, j'ai fait plusieurs, pas mal de découpes en fait, avec plusieurs styles d'écriture, plusieurs pochoirs, plusieurs pareils chiffres. Enfin bref, je vais arrêter de parler de ça pour le moment. Mes enfants, je crois, hein, c'est quelle heure là? 17h15, ouais, elle est pas l'heure. Il doit être 17h15, ils sont toujours pas rentrés. Bon, je m'inquiète pas, hein. Franchement, ils sont entre bonnes mains. Et le pire, vous savez quoi, c'est que la personne qui est venue me chercher, qui est venue chercher les enfants pour les emmener c'est celle qui nous a gardé la semaine dernière. Nos enfants quand on est parti à notre crop. Et enfin, elle est adorable. Et en fait, tout à l'heure, elle arrive, elle fait ouais, demain je vais à la piscine, si tu veux, je peux emmener tes enfants. Donc devant les enfants, tout de suite ils m'ont dit oui. Le seul truc, c'est qu'en gros, je suis resté ici, parce que justement la semaine dernière on les avait laissés et ils étaient un peu en mode voilà, dépressif, en mode je veux mes parents. Donc je suis resté à l'origine ce week-end pour ça, et finalement ils vont pas découcher, mais en gros ils vont partir samedi dimanche. Donc voilà. Mais après je vais pas leur dire non, parce que au moins ça les fait sortir. Moi je travaille pendant ce temps-là, ça me fait du... En fait c'est ça qui est bizarre, c'est que je m'ennuie réellement de ma femme. Donc si tu passes par là, tu me manques. Un pouce bleu. Ouais, ascenseur émotionnel. Genre, oh c'est trop mignon, c'est trop mignon. Allez, un pouce bleu pour ça. Voilà. En plus, j'ai les larmes aux yeux. Donc mes enfants, ouais, voilà, ils partent. Et donc finalement, vu que je m'ennuie tellement, bah, en gros, je travaille réellement. Cet après-midi... En parlant de ma crop, c'est que j'ai même créé des pochoirs spéciaux pour ma crop. En fait, à l'origine, ouais, franchement, on est bien. On va aller dehors. On va dehors. Non, on reste là, on est bien. Non, parce qu'il y avait les propriétaires qui étaient dans le jardin derrière et je ne sais pas s'ils sont partis. Et donc, j'étais en train de dire quoi? À l'origine de mes crops. Les pochoirs, ils étaient spéciaux pour la crop. Et en fait, après, j'ai voulu, vu que je faisais plein de pochoirs, en fait, j'ai voulu mettre mes pochoirs. Mais là, je vous vends du rêve. Franchement, le 13, c'est pas loin. C'est vraiment pas loin. Je dis ça ou je dis rien, mais c'est vraiment pas loin le 13. Il y aura le soleil, il y aura à manger. Bah en fait c'est vous qui devez l'emmener à manger, mais il y aura ma femme. Ouais, si ça peut vous décider, il y aura sûrement ma femme. Bon, en fait elle commence à apprécier. Bah elle s'ennuie, mais elle commence à apprécier. Et c'est surtout, je lui dis ouais, tu viens et tout, nanana. Elle fait ouais, mais j'ai peur de m'ennuyer et tout ça. J'ai regardé Google et j'ai fait regarde, Primark ça a 20 minutes. Elle m'a fait ah ouais, bah, je vais aller à Primark. Bah ouais, 20 minutes de Marseille, le soleil, la plage. Si en plus, si je m'abuse, la ville où c'est entre la mer et un étang, un lac, voilà. Franchement, que demande le peuple? Que demande le peuple? Bon, je dis ça ou je dis rien. Allez, je vais arrêter. Je crois que je vais même arrêter mon vlog. Parce que finalement, là, je vais partir sur quoi? Je vais partir sur du montage. Voilà, je vais partir sur montage journal art. Après, je vais partir sur montage vlog. Bon, après, il va être très très rapide à monter. Hein. Il y a juste un peu l'intro qui va être un peu... Ouais, parce que j'ai voulu faire une intro un peu chelou. Mais genre de ma vie tout seul. Voilà, enfin bref. Et donc, et après, il va falloir que je trouve, surtout que je trouve quoi faire à manger. Hein, franchement, c'est bien parce que quand il y a ma femme, en fait, à chaque fois, on se rejette la chose. Genre, c'est le premier, genre vers 17h ou 18h, c'est le premier qui va dire à l'autre, ouais, on mange quoi? Juste pour que l'autre y cherche. Mais là, je peux pas le dire. Oui, je te dérange? Non. Non? On mange quoi ce soir? Hein? On mange quoi ce soir?
Allô? 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 Je crois qu'elle m'a raccroché au nez. Je vais la rappeler. Hein? Elle a une de ses gueules en plus au téléphone. Hein? Ouais, je vais me manger des claques en rentrant. Quand elle va rentrer. Tu m'entends? Oui. Je te disais, on mange quoi ce soir? Je sais pas. Tu sais? Avec mon frère qu'on mange. Non, je suis en caméra en fait. Ah, d'accord. Donc, oui, merci pour tous les messages laissés, la vidéo, c'est gentil de votre part. Ah. Voilà. Bon allez, je vais arrêter le vlog tout de suite. Hein, parce que là, vous avez, on a passé un bon moment ensemble. Demain, je ne sais pas si je vais vlogger. Je ne sais pas, parce qu'en fait, ça va faire... En gros, ça sera exactement la même journée qu'aujourd'hui. Donc avec du travail ce matin, bah, que je n'ai pas filmé. L'après-midi, du travail, parce que je n'aurai pas d'enfant. Et, ou au pire, demain, je vous fais une recette. Ou un truc comme ça. Dites-moi ce que vous en pensez. Soit je fais une recette, soit je fais un petit 2 minutes de nature. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait ça. Je dois avoir des fichiers que j'ai jamais utilisés encore de Gruissant, de Valras ou de Rosace. Je sais, voilà. Donc dites-moi, soit une recette. Déjà que la dernière recette c'était pas top parce qu'il y a eu une recette qui était pas top et après il y a eu une mauvaise nouvelle. Donc on pourrait repartir sur de bonnes bases. Genre une brioche ou un truc comme ça. Dites-moi, au pire, donnez-moi des recettes. Simple, pas trop chiante. Voilà, et je... Ou voilà, ou dites-moi un nom de recette ou un truc comme ça et je regarderai si je peux faire, voilà. Allez, je vous dis donc à demain, peut-être. Si tout va bien, dites-moi, hein, comme d'hab, voilà. Et je vous embrasse réellement, je vous remercie pour tout. Pour votre soutien, pour votre présence, pour vos commentaires, pour vos likes, pour vous, tout ça. Tchou!